Yo tout le monde, c'est Pages, j'espère que vous allez bien car les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui était plutôt attendue. Les amis, c'est la vidéo de la vie ou de la mort. Rain or go home. Game 7 les mecs, face à San Antonio, j'avais dit qu'on les sweeperait. Mais disons que mes coéquipiers sont pas vraiment à la hauteur et que c'est un peu compliqué hein monsieur. Salut toi. Du coup messieurs dames, Game 7, on est à la maison. L'objectif est de gagner alors que je regarde un peu ce que fait le chat. Ça je te dérange pas? T'essayes de bouffer mes LED? Non, mais t'inquiète, c'est pas grave, ça coûte pas cher, hein. Mange-les, y'a pas de soucis, connasse. Mais non, elle est trop mignonne. Messieurs, dames, Game 7 face à San Antonio, winner go home, on va tout donner. J'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à lâcher le petit like, partager la vidéo, vous abonner. Peut-être la dernière vidéo en carrière de notre houille. Alors, messieurs, dames, bon visionnage. Messieurs, dames, il y a actuellement 3-3 dans cette série entre San Antonio et mes petits Blazers des familles. J'avais dit à la base, oui, on va les sweep, nanani, nanana, et c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Du coup, les gars, je vous propose qu'on se retrouve maintenant tout de suite pour peut-être le dernier match de couilles. Franchement, personnellement, je suis plutôt déterminé, j'ai pas envie que ça se finisse comme ça. On a beau être fin juillet, le prochain truc a beau sortir dans à peu près un mois. Donc, comme je vous l'ai dit, j'aimerais que dans 2 semaines, cette série soit terminée, et que surtout qu'elle discute, on est terminé, que ce soit la carrière, le MJ et tout et tout. Mais j'ai pas envie de finir sur un premier tour de conf, surtout perdre en Game 7. Donc du coup, je vous propose qu'on aille jouer ce Game 7, mais qu'on aille pas le jouer en fait. Qu'on aille le gagner et qu'on aille démonter les Spurs. Je vais les démonter. Messieurs, dames, Game 7. Là, la pression commence à monter un peu, je suis d'accord. Allez, c'est bon. Il m'a mis un gros vent. Let's go. Let's do it. Rain or go home. Je défends sur Kawhi. On va essayer de défendre le mieux possible. Je vais pas aller en aide. J'ai la mauvaise habitude. Enfin la mauvaise. J'ai l'habitude d'aller énormément en aide sur mes coéquipiers. Voilà, comme là par exemple. Quoi? Mais c'est une blague! Mais c'est une blague! Non, mais vous avez vu ce qu'il a fait, Tony Parker? Mais jamais il fait ça, gros! Mais c'est quoi ce début de Game 7? C'est Gino, c'est Tony? Mais non, c'est Tony Parker, gros, c'est pas Gino Billy! Mais jamais, gros, vous avez vu, voilà, là, l'occasion, vous avez vu Tony Parker, ce qu'il a fait, vous avez en une action le compte-rendu de tous les matchs que vous n'avez pas vu, les gars, pour ceux qui n'ont pas vu les lives ou qui n'ont pas vu les rediff ou autres, voilà, le compte-rendu de San Antonio, c'est n'importe, mais regardez ce qu'il a fait, hop, mec, il a crossé CJ, regardez ça, mec, c'est Curry, frère, il a postérisé au calme, Mo Williams. Oh là là, le mec il a 60 ans et il lâche encore des gros posters comme ça. Non mais jamais il fait ça gros. Ok, à notre tour alors. Allez hop. Au calme Tony Parker, au calme. C'est là. Allez c'est pas grave, vas-y on se reconcentre les gars. Le mec c'était Westbrook. C'est même pas Curry, parce que Curry, il dunk rarement. C'était Westbrook. Enfin, Curry, il dunk, mais il n'y a pas des dunks contestés comme ça. Ah, il m'a bolos. Oh. Cette ambiance les gars c'est n'importe quoi, ça fait tellement plaisir. Bien joué Youssouf, dommage. Bien joué à Youssouf. C'est moins l'iso les gars. Ma spéciale. Dommage. Ma spéciale dans la main. Ouais, elle était trop la first que dans le jeu je la mets
Enfin, c'est pas que je la maîtrise pas dans le jeu, je la maîtrise, mais c'est pas la spécialité de mon gars, quoi. Le jeu de panier, c'est pas son truc. Ouais, c'est pour toi quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu loupais ça, frère. Pio, je demande au coach de te sortir tout de suite. Attention, Danny Gwynn. Et Marcus aussi, il fait des putains de playoffs. Franchement, au poste, il est injouable. Genre, Williams, il peut rien faire. Kawhi et Williams, c'est aussi Rudy Gay. Ok, nice job. On entre dans ses playoffs, enfin dans ses playoffs, dans ses finales. Putain, je dis rien, en fait j'ai l'impression que je vais des finales NBA avec Warwick, c'est le premier tour. Je vous jure, j'ai l'impression que je joue un titre, frère. Alors je joue juste une qualif pour les demi-finales là. Oh dommage. Oh dommage. C'était bien défendu. S'il te plaît, les gars. Non mais hey, gros, mais jamais il prend les rebonds comme ça. Ah, Tony, gros, il est. Après, le rebond de Def, il était pas très bien. Le box out. On va finir. Mange ton poster, Pogasol. Pogasol, gros, c'est ma victime préférée. Dès que je peux, je posterise. Allez, 8-8. 6 points, un rebond, une passe. On est présent à 3 sur 4. Contré pour l'arceau. CJ. Dommage. Après, le problème, c'est qu'on a des gars comme Damien et CJ qui sont vachement moins lucratifs d'un point de vue point. Ah, dommage. Que prévu en fait. Ils mettent pas beaucoup de panier. Hein. Putain. Oh oui. Mais, non, mais pourquoi il a fait une passe? Ouais, c'est la machine. Le problème, c'est que sur Geoffrey Levin, le gros, je le prends pas au poste, frère. Il fait 20 mètres de plus que moi. Non, non. Il ressort. Oh, nice job. Ça m'a pas compté la passe, mais 18, les gars. Nous, on a fini premier de conférence, les gars, ouais. Et San Antonio Spurs, c'est 8ème. On prend le retard, les gars! À tous les pivots, les gars! Hein? Tous ceux qui veulent jouer en pro avec moi, apprenez à faire ça. C'est la base. Pousse-toi, putain! Oh, la machine. Bang, bang. J'ai dit bang, 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 les gars. Il avait pas mis l'autre, c'était sûr, il mettait celui-là. C'est une machine, les gars, Wals. Genre, il met plus de 3 points que Damien Lillard et CJ réunis. Je vous jure, c'est vrai. En même temps, dès que tu lui donnes le ballon, il prend. Machine Kawhi est là. 13-10 pour nous. 13-10, les gars. En tout cas, premier carton, je dirais hyper défensif, ouais, mais on met que 13 points, ils en mettent que 10. Ça joue bien, hein. Franchement, ça joue bien. Ça va être chaud et
ça va être chaud. Et puis on va tout donner. En tout cas, nous on est présent. Petit point, 3 bons de passe, ça défend. Voilà, vous avez vu. On laisse gérer un petit peu Damien. Sur 1000, sans plus, il doit le manger. Ouais, les trois quarts des choses qui se passent quand Damien essaie de gérer son ballon. Nope. La punition. La punition, j'ai dit. Si je gagne, je suis contre qui? Je sais pas. Oh là là, mais regardez-le. C'est mine, des fois, faut... Je pourrais le donner, gros, il se tire direct. Damien, il fait faute, il fait faute. Nice. Le coach me sort un peu, du coup. Non, mais vous êtes sérieux, les gars? Mec, il me rentre 4 minutes avant la fin, on est mené de 12 points. Mais c'est une blague. Nique ta race, Pau Gasol. Non, sérieux. Mec, on menait de 4 points, ou 3 points, je crois. Ouais, c'est moi qui vais chercher, qui dois aller chercher le rebond, gros, s'il te plaît. Ça, tu le mets, gros. Bang, 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 je dis. Voilà. Allez, 29-22, on revient. Ouais, ça c'est le problème de la difficulté Hall of Fame. Tu sors mon gars, tu reviens, t'es mené de 20 points, t'sais. Faut défendre les gars, hein. Marcus, gros, tu le colles pas, il enchaîne, hein. Et puis, franchement, il est fiable. Hein. Donne-moi ça, CJ, je vais m'occuper du tout, là. En plus, c'est Gino qui défend sur moi, gros. Allez, c'est pour toi, ça, c'est cadeau. On ressort. Je vais lui demander le ballon pour qu'il me redonne. Ah, ok, c'est déjà. Allez les mecs, let's go. Moi j'ai joué en Hall of Fame les gars. Bah, les mecs ils disent t'es sous toujours en Hall of Fame gros, tu veux que je te prouve comment? Je vous montre, à chaque fois je vous montre les difficultés. Et vous voyez bien. Avec Max, on a gagné le titre, ouais. J'ai tout gagné avec Max. Et très facilement, on a sweep tout le monde. Hein. Sur la tête de la Marcus, frère. Allez, mange tes morts. Il était dur. Ah, il était dur. Ils ont sur moi, Williams. Putain. 4, 5, 7 points de retard. Merci à Minou.
5 points. Il se fait stop à la Marcus là. Ça joue bien. Hein. C'est Marvin Williams, c'est pas moi. C'est pas moi Williams. La Marcus est en train de lui faire l'amour en gros. 17 secondes. Fin de la première mi-temps, 33-28 pour San Antonio, on est sur un score de Benjamin. Hyper défensif, mais surtout, c'est surtout un match un peu nul. Je veux dire, mes coéquipiers sont pas là, même si CJ a mis quelques paniers importants. Moi, j'ai pas beaucoup de temps à jouer que ça, j'ai l'impression. Mais en tout cas, on est mené de 5. Et c'est galère, hein, parce que je fais vraiment ce que je peux, j'espère juste que je vais plus trop sortir maintenant. Parce que parce qu'à chaque fois que je sors, on perd de 20 points alors. Nice. On revient à 3. C'est bien défendu ça, dommage. C'est dommage. Pourquoi tu passes derrière lui, frère? Putain. Allez, 7 points de retard. Faut que je le mette celui-là. Allez! Sérieux, ils veulent qu'on perde, c'est obligé, c'est pas possible. Mais allez Damien, mais putain, mais c'est pas... Allez les gars, mais c'est en train de me foutre la rage. Oh là là. Réveillez-vous les gars, sérieux. 5ème semaine là. Hein. Cinq points de retard. Stoppez-le gros, non mais sérieux. Jamais fait ça, mais c'est les gars, défendez quoi. Allez, donne-moi le ballon gros. Je vais me débrouiller là. Je vais faire tous les 1 contre 1. Allez hop. Je vais demander tous les ballons les gars, parce que sinon on va perdre. Ok, la main. On revient à 3. C'est là, Marcus. Putain. Allez, mange! Wouh! Et t'es plus sensueux. Trois points. Oh, le bâtard. Gauche.
Ressort. Tu m'as vu. And one. Yes. Allez. Bon petit move que j'ai fait. Allez hop. 19 points, 8 rebonds, 4 passes. Appelle-moi les bons, frère. Je vais porter l'équipe jusqu'en finale. Bien joué, Wolves. C'est bon, jeu. S'il te plaît, les gars. Des gens t'aimeraient, attention. Allez, mais Damien, réveille-toi, gros. Fais-moi tes trucs spéciaux. Voilà, merci. Allez, regardez, ça c'est pour vous, les gars. Ouais. Au début, je voulais me faire une passe contre la planche, mais Kawhi était juste à mon cul, alors on va éviter. Oh bon. C'est bien réveillé, nous aussi, en deuxième mi-temps. Ouais. Je demande tous les ballons en même temps. Ouais. Merci Damien pour ce ballon de qualité. Oh. Je t'ai sauvé la vie, Damien. Donne-moi ça. Donne-moi ça, Damien. Damien. Mais non, mais les gars, mais vous voulez qu'on le gagne ce match? Sérieux? Putain, c'est ouf, faut tirer un con. Damien, il dort. Allez, hop, on la refait. Mange. J'adore ce mouvement, moi. Kawhi. Passe-moi sur Kawhi, sérieux, coach. T'es tout seul. Hein. Gros, pourquoi je fais des passes? Pourquoi je fais des passes? Juste, pourquoi je fais des passes? A chaque fois que je fais une passe, on me fait de la daube. Allez, donne-moi ça. Allez, je vais croquer, je vais demander tous les ballons. Je fais une passe que quand je suis sûr qu'il la mette. Voilà, maintenant. Oh non, c'était une blague, c'était une blague. Redonne, redonne. Voilà, maintenant tu rolls. Putain. Non! C'est dur, les gars. J'ai l'impression d'être tout seul contre contre San Antonio en vrai. J'ai l'impression d'être tout seul. Mes coéquipiers, ils n'existent pas. Hein.
Fin du troisième quart, on est mené de 1 point. J'ai vraiment cette sensation-là, c'est d'être tout seul face à tout le monde en fait, je jure. J'essaie de jouer avec mes coéquipiers, mais à chaque fois que je leur donne, ils font de la merde, gros. Genre, ils prennent des mauvais choix, tu vois, ou ils mettent 10 ans à monter, ou tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Je suis obligé de croquer à ceux qui me disent, tu crois. C'est comme dans Fortnite, là, les gars, ce que je fais. C'est un solo VS Squad. J'avoue. Allez, dernier carton, les gars. C'est maintenant ou jamais. Peut-être le dernier carton. Deux oui, surtout qu'il est 18. Si j'ai ma colonne qui se fait crosser par des gens de Témeray. On calme, les gars. Maintenant, oh putain, c'est sérieux. Oh là là, volé. On reprend 4 points de retard, les gars. Arrêtez de venir de mon côté, les gars. Mais, gros, mais. Mais le mec. Ok. On revient à 2. Trois secondes, redégâts. Chami se fait manger par Kawhi là. Les gars, mais vous prenez le rebond, c'est comment là? Oh là là. On se fait grave, frère. Kawhi, c'est. On se fait pas grave par San Antonio, on se fait. C'est Kawhi, grave mes coéquipiers tout entier. Il les mange au petit-déj, comme ça. Sans céréales, comme ça. Il fait ce qu'il veut, frère. C'est Damien, c'est plus faire une passe, là, c'est la deuxième qui me file comme ça. Il arrive, voilà, il saute dans le vide. On apprécie. Donne-moi ça, gros. Damien, donne le ballon. On sait que t'as des petits problèmes en ce moment. C'est une blague, je vous mets dunk. Il y a tout qui contre moi, les gars. C'est scripté, c'est pas possible. Mais gros, mais j'ai même pas le ballon! Allo,
Ok, on revient à 1-1 les gars. 4 minutes. C'est vraiment dur. Il avait juste à faire un lay-up. C'est bien, tu loupes pas. Défendez, ça défend pas. Tu vois, des Manitou, ça va rien, gros, dans ce match, c'est incroyable. Quoi? Je peux pas laisser le jeu à l'air, les gars. Il est pas dans le match, les gars. Il est pas dans ses playoffs tout court. Tous les ballons que je lui donne, il fait de la merde avec. Oh, les gars. C'est déjà à droite. C'est déjà à droite! Putain, mais. Oh mais non, mais c'est une blague, je peux même pas faire mes passes. J'ai de la chatte. Anouane, dommage. Deux minutes, on revient à un point. Mais Damien là, il fait des playoffs pitoyables, hein, vraiment. CJ, c'est ça, c'est moyen aussi. Hein. Oh là là. Deux points de retard. Un stop les gars. Faut défendre pour avoir un stop. Hein.
Une minute. Non! Williams, mais nique ta putain de race! Sérieux, je défonce comme un porte dessus! Williams, putain! Gros, mais laisse-moi défendre! Mais quoi? Ouais, j'ai vu, on avait un time out. Sauf que Damien il est parti en courant, du coup j'ai pas fait gaffe. J'ai vu qu'on avait un time out, mais on en avait 22. Sauf que time out, Damien il en prend pas, donc j'ai pas pensé. Je pense pas que ça aurait changé grand chose. C'est au gros, là c'est pareil, tu vois, en fait je force à demander le tir parce que mes coéquipiers j'ai pas confiance, tu vois. Alors que je suis agresseur, c'est pas à moi. Mange le poster d'ouf! Mange Turner!